Un policier a été traîné au sol suite à un refus d'obtempérer et le verdict est tombé ce lundi pour le chauffeur de la voiture volée. Il est condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Ça s'est passé dans les quartiers nord de Nantes. Le 2 mai dernier, un jeune homme mineur au moment des faits se retrouve impliqué dans un refus d'obtempérer. Ce jour-là, le policier lui demande de sortir du véhicule, mais le mineur le percute et le traîne au sol sur une vingtaine de mètres alors qu'il est au volant d'une voiture volée. Au moment de lâcher prise, la tête du policier heurte violemment le bitume et il perd connaissance. Gros blackout, le policier se souvient juste avoir senti son ventre racler sur la route. Transporté au CHU de Nantes, il ressort avec un traumatisme crânien, des points de suture, et ce mois-ci, il a passé une IRM qui a démontré qu'il avait des zones mortes au niveau de son cerveau. Jugé par le tribunal correctionnel de Nantes ce lundi 13 novembre, le prévenu a reconnu les faits et son implication et a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Le parquet, lui, avait requis un an de prison avec sursis et a déjà annoncé vouloir faire appel. Une justice laxiste et une décision incompréhensible, selon le syndicat. Il a failli tuer un policier en uniforme et il n'a rien du tout. Dégoûté, le policier blessé a quitté l'audience avant le verdict. C'est honteux. Je me suis toujours dit ça n'arrive qu'aux autres collègues, jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Le syndicat, lui, dit avoir l'habitude de ce genre de décision de la part de la justice à Nantes. Quand il s'agit de condamnation contre les policiers, les sanctions sont lourdes, mais dans l'autre sens, c'est l'inverse. Selon Christophe Lannes, le juge n'a pas voulu couper la dynamique de réinsertion du prévenu. Déscolarisé au moment des faits, il aurait repris le chemin de l'école il y a peu et aurait un meilleur comportement envers ses parents et ses proches.